Que la paix soit avec vous, aujourd'hui je vais partager avec vous une pratique d'une blouse col bénitier au drapé avec manches ballon et poignet élastique. Premièrement, on va tracer le demi-devant dont sa largeur est égale à tour du poitrine divisé par 4 plus 2 cm des onze, soit 28. Ici, je travaille avec les mesures de la cliente. Vous allez trouver la méthode ou comment prendre les mesures dans la boîte de description et le lien du corsage pour femmes aussi dans la boîte de description. Alors ici, on va mesurer à partir de la ligne d'encolure 45 cm, c'est la hauteur de la longueur taille devant, pour tracer la ligne de taille. Et à partir de la taille, on va descendre par la hauteur du bassin qui est égale à 23. Aussi, à partir de la ligne d'encolure, on va descendre par 24 cm pour déterminer la ligne de poitrine ou des aisselles. Alors, on va tracer les lignes principales du corsage. On a la première ligne, c'est la ligne d'encolure, puis la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne du bassin. Alors, vous pouvez prolonger ces lignes. Pour vous faciliter le traçage du dos. Si vous avez bien sûr une largeur suffisante. Ici, on va commencer à tracer le l'encolure. En marquant 8 cm sur la ligne d'encolure, c'est la base du cou, et 9 cm verticalement sur le milieu du devant. Et en utilisant le perroquet, on trace l'encolure. À partir de la base du cou, on a mesuré 2 cm et on a descendu par 4 cm pour tracer l'épaule. On va reprendre l'épaule. Alors pour tracer les manchures, on aura besoin de la ligne de carrure. Cette ligne est une ligne secondaire. Elle nous aide pour faire des modèles ou pour tracer les manchures. Et sur la ligne de taille, on va entrer par 3 cm pour créer un cintrage au niveau de la taille. Alors sur la ligne du bassin, on va mesurer tour du bassin divisé par 4 plus 2. Le résultat, c'est 32. Alors ici, on essaie de courber cette partie. Et même chose pour la ligne des hanches. Alors maintenant, on va tracer la pince
de l'émanchure, si on va mesurer espacement de 5 divisé par 2, c'est 10,5 pour tracer la pince de l'émanchure. Alors ici, on va mesurer la hauteur de poitrine. Si j'ai 28, la pince commence de l'intersection de la ligne de carrure et l'émanchure. Sa valeur est égale à 3 cm. Alors, on va utiliser le déplacement de la pince pour réaliser ce modèle. Vous allez voir la méthode en coupant le tissu ou en disposant le patron sur le tissu. Et si j'ai coupé le devant en deux, on a la partie droite et la partie gauche du devant ne sont pas symétriques. Alors ici, on va travailler le dos. On a le tour du poitrine divisé par 4. Le résultat, c'est 26. Je travaille toujours avec les mesures de la cliente. J'ai la ligne d'encolure, la ligne de poitrine et la ligne de taille, puis la ligne du bassin. Ici, 8 cm. On va tracer le demi-encolure du dos, on va descendre par 2 cm. Ici, on va laisser 0,5 et on va courber l'encolure. Ici, même chose, 2 cm, c'est la largeur de l'épaule. Mais ici, le dos, on va descendre par 3 cm. Ici, on va tracer le 2. La carrure du dos divisée par 2 pour tracer les manchures. La même chose pour la ligne de taille, on va entrer par 3 cm. Ici, tour du bassin divisé par 4. Ici, même chose, on va courber cette partie. Des hanches, même chose pour le niveau de la taille. Alors ici, on va commencer à tracer la manche de base. Premièrement, on va prendre la profondeur de l'émanchure. Vous allez trouver la méthode de la manche de base, de le lien de la leçon de la boîte de description. On relie les épaules du dos et du devant, et sur l'intersection de cette ligne et la ligne du côté, on va mesurer jusqu'à la ligne de poitrine. Si j'ai 20 cm, alors, on va
Calculez la hauteur de la tête de la manche qui est égale à EF moins EF sur 6. Si j'ai des 7, mais je vais mettre 18, j'ai le tour du bras de la cliente est égal à 36. Là, partagez la manche en deux, car on a le devant et le dos sont différents. Si j'ai la longueur totale est égale à 62, on va descendre par la hauteur de la tête de la manche. C'est 16,7. Alors pour tracer le haut de la manche ou les manchures, on va relier la pointe au milieu de la manche à la ligne des aisselles. On a le dos, on va le devant, on va le diviser par 4 et le dos par 3. Alors pour tracer le haut de la manche, on va monter par 1,8 et on va descendre par 0,6, ici 1,2 et 1,2. Si on va essayer de ne pas créer un angle au milieu de la manche, alors au bas de la manche, je vais mettre. J'ai le tour du poignet est égal à 20. On va diviser 20 par 5. On va le multiplier par le résultat par 2 sur le devant et par 3 sur le dos. On a 8 et 12 sur le dos. Le total, c'est 20. On va relier la ligne des aisselles avec le bas de la manche. Alors, après avoir coupé les patrons, on va faire des modifications pour travailler ce modèle. On a entré par 3 cm à partir de la base du cou sur l'épaule, puis on a laissé 2 cm entre les trois points. Alors ici, on va lier le premier point avec la ligne de poitrine. On va descendre par 2 cm. Même chose, on va le relier avec le premier point où on va créer les plis, comme vous voyez sur le modèle. Alors ce modèle, on le travaille d'abord sur un autre patron, puis sur le tissu. Alors on va marquer ou noter les points, les morceaux, parce qu'on va les couper
complètement et on va pivoter vers où? Les déplacer vers le côté. On a les plis vers le devant, vers l'intérieur de la blouse. Maintenant, on va travailler la plie de la deuxième partie du devant. On va entrer par 4 cm. Et on va dessiner l'emplacement de la plie. La même chose ici, on va créer une autre ouverture. Toujours, on déplace les morceaux vers l'extérieur. Alors voilà la méthode, on va mettre numéro 1 droit fil ou verticalement, puis on va décaler deuxième morceau d'une valeur qui est égale à 4 cm. Et toujours en gardant le morceau sur le même niveau. Au milieu de la blouse, on va laisser uniquement 1 cm. On garde le niveau de l'épaule. On mesure 4 cm. Le milieu, on met 1 cm. Même chose ici, 4 cm. On a ici 4 plis. Même chose ici. Alors ici, on va déplacer la pince de l'émanchure vers le bas pour l'élargir parce qu'on aura une modification au niveau du bas de la chemise. Cette ouverture va remplacer la valeur qu'on va couper au niveau du bas de la blouse. Vous allez voir la méthode. On va tracer une ligne qui va On va tracer les plis pour ne pas se tromper en travaillant sur le tissu. On va ajouter plus d'un centimètre. Voilà, on va dessiner la ligne qui passe par le milieu de l'encolure vers le bas. Vous allez voir qu'on va éliminer une valeur qui est égale à la valeur ouverte au milieu de
du patron. On va redessiner là les manchures. Ici le bas de la blouse. On vérifie les mesures. Ici, on a 32, c'est le total du tour du bassin divisé par 4 plus 2. Ici, c'est l'un des rôles de déplacement de la pince. Je vais vous laisser le lien de la leçon, le déplacement de la pince, de la boîte de description. Alors maintenant, on va travailler l'autre côté. On a une seule pince. Une seule plie, pardon. On va couper un deuxième morceau, mais pas complètement, jusqu'à les manchures. Alors toujours on plie la pince au sens contraire de l'ouverture de la plie. On va poser le morceau 1 verticalement sur le patron. Puis on va déplacer le deuxième morceau. On va marquer d'abord le niveau d'épaule. On va mesurer 8 cm. C'est la valeur de la plie.
On essaie de garder le milieu de la blouse moins large. Et à la fin, on doit avoir la même longueur que celle du premier morceau. On va redessiner le milieu de cette partie. Comme vous voyez, on a éliminé ou une valeur a été éliminée au bas de la blouse. Mais en pliant la pince démanchure, elle a été remplacée au milieu de la blouse. Au milieu du demi-devant de cette partie. Alors ici, on va poser les patrons sur le tissu, mais toujours en gardant le milieu du devant verticalement et sur le droit fil. Voilà, on va poser le deuxième. Il est un peu large. Il est moins large que la partie gauche. Dans la partie gauche, il y a trois, quatre plis. La partie droite, on a seulement une pli, mais plus large que les autres. Alors ici, on essaie de marquer les plis pour ne pas se tromper en les cousant. J'ai ajouté uniquement 2 cm de l'ourlet, 1 cm sur le côté et 1 cm au niveau de l'émanchure. Ici, j'essaie d'ajouter 1 cm et 2 cm sur les plis. Voilà, et si on garde 2 cm au niveau des plis, qu'on va couper après avoir créé les plis une étape qu'on fait pour faciliter la pliure du tissu du pli.
On plie les plis vers l'intérieur. Pour le dos, on va plier le tissu en deux, endroit contre endroit. En gardant toujours le droit fil. Même valeur de l'ourlet que j'ai ajouté sur le devant. On crante le milieu. Alors pour la manche, on a coupé le dos en trois. Même chose pour le devant et on va ajouter 3 cm la valeur de pli ou 4 cm. Au milieu de la manche, j'ai ajouté 2 cm et 1 cm au reste. Ces 2 cm, je vais utiliser une bande d'élastique de 0,5, il n'est pas large. Ici, on doit marquer les plis pour faciliter l'assemblage de la manche et la blouse. Le milieu de la manche et les autres plis de la partie gauche de la manche. Aussi, les plis de la manche sont pliés vers l'intérieur de la manche. Alors maintenant, on va tracer ou couper la parementure. Si j'ai assez de tissu, j'aurai coupé jusqu'à 4 cm au-dessus de l'émanchure. Même chose pour le devant, mais le devant, on va couper le patron initial de la blouse, sans pli. Ici, on va ajouter 1 cm parce que j'ai coupé sur le patron. On ajoute aussi 1 cm au niveau de l'encolure. Si vous avez assez de tissu, vous pouvez couper jusqu'à 4 cm au-dessus de la ligne de poitrine. Donc maintenant, on va piquer l'encolure. Sans oublier l'arrêtement de la couture pour fixer la couture.
Puis on va le cranter. Même chose pour le dos. On va piquer la parementure au niveau de l'encolure. On va retourner la parementure où on va piquer un peu sur piqûre sur l'intérieur de la parementure ou de la blouse. Voilà. C'est pour fixer la couture vers l'intérieur. J'essaie de repérer la parementure parce que je vais couper une petite fermeture, une petite fente au milieu du dos. On va la couper d'abord, à peu près 6 cm. Je vais mettre une petite bride. Donc, on va mettre la parementure endroit contre endroit de la blouse. J'ai mis une petite bride. Sa largeur dépend du bouton qu'on va utiliser. Ici, on va piquer 0,5 parce que ça sera difficile à la fin de la fente. J'essaie de tourner. Et on va laisser l'aiguille plantée et on tourne la couture vers le haut. Même chose, 0,5 ou moins, mais pas plus, selon la qualité du tissu. On va cranter la fin de la fente. Et ici, je vais créer. Voilà. Maintenant, on va travailler les plis. La partie droite a un seul pli. Avant, je vais surpiquer ou piquer la surpiqûre qui va être à l'intérieur de la blouse. C'est toujours pour fixer la couture. Il faut vérifier que la centimètre de couture va vers la surpiqûre.
On va le repasser, le 2 et le devant. Ici, je vais piquer les manches après avoir les surfilés à l'aide d'une surjeteuse. Ici, je vais travailler le bas de la manche, c'est-à-dire le poignet. Je vais plier et piquer 0,5 pour avoir de bon travail. Je vais mettre 18 cm du bon élastique. Je vais fixer le début de la couture. En marquant un point d'arrêt, j'essaie de tirer l'élastique d'une façon égale, en laissant toujours l'aiguille, quand on s'arrête, l'aiguille plantée dans le tissu pour ne pas perdre l'axe de la couture. Alors maintenant, je vais plier vers l'intérieur. Je veux refaire une autre couture pour couvrir l'élastique. Toujours en tirant l'élastique d'une façon harmonieuse. Voilà, c'est bien fini. Notre travail doit être bien fini, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ouvrage. Alors ici, je vais créer les plis vers le milieu. De la manche. Vous allez voir que c'est quand j'ai cranté les plis, j'ai facilité mon travail. Alors sur la partie gauche de la blouse, j'ai créé les plis vers l'intérieur. J'ai posé le tissu ou la parementure, l'épaule de la parementure envers, contre envers de l'épaule de la blouse. Je vais la piquer pour la fixer avant de l'assembler avec l'épaule du dos. Alors pour la partie droite de la chemise ou de la blouse, on a un seul pli ayant une largeur de 8 cm. On va faire la même chose, on va mettre la parementure envers contre envers. On va les piquer pour fixer les deux épaules.
On va couper le reste. Alors maintenant, on va assembler le devant et le dos au niveau des épaules. On va mettre l'épaule du dos bord à bord, l'épaule du devant. On va mettre l'endroit contre endroit. Puis on va tourner la parementure vers l'intérieur. Qui doit couvrir l'épaule du devant. Et on va piquer 1 cm de la couture. Ici, on va couper cette partie. Voilà, vous constatez que là, c'est bien fini, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la blouse. Ou de l'épaule, pardon. On va faire même chose pour l'épaule droite, même chose. On va mettre l'épaule du dos bord à bord à celui du devant, le tissu endroit contre endroit. Puis on va mettre la parementure en couvrant le devant. Si on a la parementure jusqu'à 4 cm, au moins jusqu'à 4 cm au-dessus de la ligne de poitrine, ça sera mieux. Ici, j'ai pas suffisamment de tissu pour la réaliser. Alors maintenant, on va coudre la ligne de côté ou la couture du côté. Puis on va le surfiler sur la surjeteuse. Alors maintenant, on va monter la manche. Premièrement, on va épingler la parementure au niveau de l'émanchure, surtout du devant. On va mettre le milieu de la manche
en la coïncidant avec la couture de l'épaule. Même chose pour la couture de la manche et celle du côté de la blouse. On essaie de les coïncider comme ça. Puis on termine l'opération en épinglant la manche. On travaille toujours la manche contre nous. On ne travaille pas jamais la manche sur le vêtement. Alors, on n'oublie jamais faire un point d'arrêt au début de la couture en commençant toujours par la couture du côté. Deuxième manche. C'est presque fini. On continue comme ça jusqu'à la couture du côté. Alors, c'est la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris les étapes de cette pratique. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.